Dans le cas de M. Mata Tampone, j'avais écrit dans mon communiqué le lobo boyoka ona nu boyoka te. C'est vérifiable. Ona zolo banabino lelo. J'ai des preuves. Si Mata Tampone rétorque ce qu'a meki, je vais déballer les preuves nao babeni dans les réseaux sociaux. Mata Tampone ne va pas fuir la justice congolaise, même s'il y a des antivalets parmi d'autres magistrats et d'autres juges. Qu'ils ne comprennent pas que c'est la justice qui donne le développement, que c'est la justice qui élève une nation. Le ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui prétend soutenir le président de la République, ordonne le partage les fonds de secret des recherches, les fonds secrets des recherches FCR, que le chef de l'État donne à Montaya. 780 millions de francs congolais. Pour la recherche, il y a Miribi, Kofile, Miribi. Bon, voilà, le fonds est partagé par un monsieur Komone Bichabu. Et Banda par. Donc, le fonds, voilà, ministre, a bloqué au Kabola Ango depuis 2022. Maman, voilà, Rose, où la justice soit. Naba parlement, Nabiso. Naba territoire, Nabiso. Mais en Angola, peuple angolais, il faut que Paul Kagame, le vice-président, il y a Lorenzo, c'est un tous. Babimi, ça c'est vérifiable. Babimi, ça, il y a net moutou, il y a province à Benguela. C'est que le président de la République ne doit plus compter dans le voyage dans l'Angola, fait des multiples voyages parce qu'il y a un pion de Kagame dans le niveau d'Angola. Chers amis de la presse de la liberté, bonjour. C'est le devoir patriotique qui nous oblige. Poto bengabino le yoto sola maamboyo. Ona oboyo kate. Tozana honneur ya mbabino a un état-major politique ya armée des bâtisseurs tisekedistes. Moko ya ba mouvement na kati ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS tisekedi. Aujourd'hui, nous avons invité pour communiquer sur l'état de la nation en général et de notre très cher parti UDPS Tshisekedi en particulier. D'abord, nous allons parler des élections. L'élection Oyo, il y a 2023, UDPS et les élections. Le train des élections de 2023 a déjà décollé dans la gare de la CENI, c'est-à-dire commission électorale, organe légal de l'organisation des élections à RD Congo. L'IDPS, mon parti politique, a aligné cette fois-ci plus de 500 députés dans la course. Félicitations au CG Augustin Kabuya Mwanabute, président en exercice de l'IDPS, qui, dans sa matinée politique, avait donné quelques lignes de bonne conduite pour naba candidat Nabiso, candidat qui a déchiré papier Yamuningate. Augustin Kabuya a aligné plus de 500 députés dans la course hémicycle. En 2011, toi, il n'y a qu'à moins de députés avec Mutanda comme secrétaire général. En 2018, toi, il n'y a qu'à aussi moins de députés avec Augustin Kabuya, avec Jean-Marc Kabunde comme secrétaire général. Mais cette fois-ci, avec Mwanabute Augustin Kabuya, nous avons aligné 500 députés. Et à part ça, tous en a ba bengi ba regroupement ou ba mosaïque au le CG va présenter. Donc l'IDPS va mettre en place au ba bengi arsenal électoral
poto pe sa président o ba bengi majorité indiscutable na parlement. Gardien du temple a bengi bino lelo tant que mobilisateur, le dernier mobilisateur que le père, les sphinx avait nommé. Donc, qui vivra verra la victoire de l'UDPS sous le commandement d'Augustin Kabouya en l'élection en 2023. Notre arsenal électoral est bientôt te représenter bino un égozala d'abord communicationnel. Nous allons lancer au babengi une magazine télévisé au babengi candidat favori 100% Fatshi. Une magazine de propagande. Nous allons tellement que Fatshi a aucune de campagne na au babengi mbongo à trésor public T. Nous allons lancer l'opération 1 dollar ou plus au Tosalara en 2018 de soutien à Fatshi comme président. Les numéros de compte vous seront communiqués par le secrétaire général, le numéro 1 du parti, Augustin Kabouya. Parce que Fatshi, Azamo na Moussala na Bisso, nous sommes obligés, Bisso, Oto Tindie, to soutenir candidature. Ça sera 1 dollar ou plus. Les mandataires de l'IDPS seront dans l'obligation de contribuer. Les ministres de l'IDPS seront dans l'obligation de contribuer. Et les députés de l'UDPS au bazar en fonction, ils seront dans l'obligation de contribuer. Bah combattant locaux là, bah salaté, oh bah salaté, bah opé ça 1 dollar, bah oh bah sala, bah opé ça au-delà de 1 dollar. Par cette occasion, tant que gardien du temple de la démocratie, je viens révéler à l'opinion nationale et internationale. Na ribriko na tché, l'instabilité de la sous-région, c'est Paul Kagame. Je viens révéler à l'opinion nationale et internationale que M. Paul Kagame a vraiment un plan pour l'Empire Tutsiland en Afrique centrale. Pour votre information, tant que l'œil du peuple, plaque tournante de l'information de la jeunesse de l'UDPS. M. Kagame, à part l'infiltration au Yassala en Congo, il a fait aussi l'infiltration dans un des pays voisins au Yassa Angola, jusqu'au sommet de l'État. C'est-à-dire, le vice-président angolais Bonito de Souza, dont on dit qu'il serait originaire de Benguela, est un Tutsi. C'est pour cela vous remarquez tout ce qui se passe comme activité de paix en Angola ne donne pas de fruits. À part infiltration Kagame à Saliawa, na armée na Bisso, na ba parlement na Bisso, na ba territoire na Bisso, mais na Angola, peuple angolais faille baké Paul Kagame. Le vice-président ya Lorenzo, c'est un tous. Babimi ça c'est vérifiable. Babimi ça yeneti mutu ya province à Benguela. C'est que le président de la République ne doit plus compter na ba voyage na ya Angola, pe ba multiple voyage parce qu'il y a un pion de Kagame na niveau ya Angola. Ça c'est le gardien du temple qui n'a pas une bouche de mensonge. Rien que la vérité. Troisième point, la justice en RD Congo. Nous connaissons tous que la justice élève une nation. Du temps du maréchal Mobutu, le détournement n'atteignait pas 50 000 dollars. N'importe quoi Mobutu. Bah détournement et bah n'aille quoi atteindre 50 000 dollars. Mais actuellement, il faut détourner des millions. C'est rare, mon bout, bah détournement, bah n'aille quoi atteindre 50 000 dollars. Mais actuellement, bah tout bah lobby, il faut détourner des millions ou des milliards. Pose à la déjà, n'aille pas bénir provision, y'a qu'au corrompre justice.
Dans le cas de M. Mata Tampone, j'avais écrit dans mon communiqué le lobo royoka ona nu boyoka te. C'est vérifiable. Ona zolo banabino lelo. J'ai des preuves. Si Mata Tampone retorque ce qu'a meki, je vais déballer les preuves naoba beni dans les réseaux sociaux. Mata Tampone, tu ne vas pas fuir la justice congolaise. Même s'il y a des antivalaires parmi d'autres magistrats et d'autres juges qui ne comprennent pas que c'est la justice qui donne le développement, que c'est la justice qui élève une nation. Monsieur Mata Tampone joue avec la justice congolaise comme dans un jeu de ping-pong. 3 fois à la Cour de cassation, 3 fois à la Cour constitutionnelle. Et après, on nous dira qu'il n'y a pas un tribunal. Comme si on veut nous dire qu'il n'y a pas un tribunal qui peut juger Mata Tampone dans le Congo pour avoir des détournements. Mata Tampone, avant qu'il quitte la primature, il avait constitué tout un système. Il a mis en place tout un système dans le cadre, même à Zalibanda et à primature, à Bandolia Kambongo et à l'État. C'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. 1. Salaire des fonctionnaires. À chaque paye, il y a un fonctionnaire. Mata Tampone, chaque mois, a 40 millions de dollars à travers sa société qui gère Obabengi les fichiers de paye. Il y a Obabengi ba fonctionnaire. 40 millions de dollars, même d'Engaza Libanda, pour société Wane Jirakawana. Donc, Samaloukonde, il faut à rompre la société où il gère affiché la paye. Il y a pas fonctionnaire. Société en exagéré via un certain M. Kayembe, directeur à la Banque centrale. Il y a une salle à rapport wana pour mbongo comme la Mata Tampone malgré Azalibanda match. Mata Tampone a créé une société privée pour Abomonatra, comme on en a MGT, na Congo centrale. Cette société privée est paralysée au Natra, dont le responsable, c'est son cousin. Il a créé une deuxième société de taxes. Oyo, ezoako moins 22 taxes, dont l'argent va dans un compte inconnu dans la banque Raoubank P. Soficom. Mata Tampone a détourné plus de 1 milliard de dollars pendant 2 ans avec Obabengi Mbongo ya TVA. Pendant 2 ans, 1 milliard de dollars pendant 2 ans. Oyo, Mata Tampone a détourné. Après réclamation, il y a un opérateur économique, il y a une société de mine. Mata Tampone, tellement la société de mine, la zone c'est la bango mwambongo, le quoi, la fouti TVA, la bango ya la mwamingi, la zone c'est la bango rétrocession. Mata Tampone a eko signé au babengi 2 décrets. Il y a suspension, il y a TVA pour la société ya mine. On a signé à quelques jours au Alinga Longwa. Décret numéro 16/28 du 27/2016. Dans décret numéro 28. Dans le décret numéro 16/29 du 27/2016. A signé 2 décrets. Wana, Oyo est supprimé perception, yaba TVA a créé l'état perte pendant au moins 2 ans. C'est Mata Tampone, les candidats de Fayoulou et Denis Essanga, les candidats pour diriger le Congo. Mata Tampone a construit l'université Naéo Mapombe avec l'argent de l'État. Je vais vous le prouver aujourd'hui. Plus de 6 millions 800 000 dollars. Il y a ma participation, il y a ma société, il y a l'État. C'est plus de 6 millions 800 000 dollars pour construire l'université Mapombe. Mata Tampone Siko, pour récompenser la société, ou non, la personne qui a construit
ba société à l'état a salé libango ba benaka exonération de taxes ba futaka ba taxes te matata mponyo a créé encore une société avec des sud-africains comme nango fed c'est-à-dire FED eza sur l'avenir flamboyant dont les actionnaires eza papa nae na mwasi nae Hélène Kabioko comme mwasi ya matata wana madame matata komone Hélène Kabioko okamwende na ebi komba mwasi no okokimate la justice congolaise n'aide pas le président de la république avec des magistrats des juges non patriotiques là par exemple le cas la société de communication Vodacom avait importé des matériels de communication dont il fallait foutre dans l'État congolais plus de 132 millions de dollars en 2021. La douane a transformé ma Kambouana na PV à ma contentieux pour ma lingaïka en bon au Vodacom à bandai koninga ko foutre en bon ouanate. La société Vodacom a contacté quelques bateaux, dont un certain M. Belito, va transformer PV à contention en 4 millions de dollars. Va transformer en niveau en 4 millions de dollars à travers un certain M. Belito. La justice congolaise n'aide pas le président de la République. Bomba, 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 ma bé. Parce que si Fatih échoue, et aux difficultés na biso, au babengi, UDPS, et aux difficultés ya yo, Excellence Kingandi, Excellence Telte, Songolo Pakalate. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui prétend soutenir le président de la République, ordonne le partage, yambongo mo babenga, les fonds de secret des recherches, les fonds secrets des recherches, FCR, que les chefs de l'État donnent dans un montant de 780 millions de francs congolais pour la recherche de Miyibi, pour filer Miyibi. Bon, voilà, le fonds est partagé par un monsieur Komone Bichabu. Et banda par... Donc, fonds, voilà, ministre a bloqué le Kabola Ango depuis 2022. Maman, voilà, Rose, ou la justice, voilà. Président de la République, Mbongo et Bimara. Bon, moi, je suis un peu comme Bimansiko. Je me sens toi athée. Je suis un peu comme le gouvernement. Je suis un peu comme le bazar au compte. Les fonds. Secret des recherches. 780 millions de francs congolais. Oye bimara chaque mois. Bakabolango. Moutazouambo mwa pa kabolango. Eza un certain monsieur Bichabu. Azakuna na niveau ya ministère à justice. Madame Rose Mutombo, ministre à justice, a instauré le clientélisme dans l'appareil judiciaire. Circe. Clientélisme a instauré un appareil judiciaire, Ezanini. Sur cette direction, 5 Eza, Batouabandundu, Babokilo Naye, Babo Frère Naye, Mobal Naza Moutouabandundu. Excellence, au Kamwende Naibine État civil Nayo, je suis l'œil du peuple. Pour paralyser, oh babengi intégrité, y a appareil judiciaire. Madame Rose Mutombo, aligné comme mon en présence, y a babengi inspecteur général y a police judiciaire t. Oh y a quoi y a qui malade. Aligné comme on a été, malgré que Mutakoi malade. Dire ce qu'il y a
suspension et coquille à l'Ingi Comon a été pour inspecteur général Antoine Camille Azana Makambu et Bélé. Makambo n'a pas le balélo. Et ça bateau bazana ministère ya justice au bazana mal à l'aise nde bayaki awa na bureau na biso ya doléance ya armée de bâtisseurs tisségédistes pour ba pesa biso. Ce sont des gens ya ministère de la justice na zo ebsa na batou nyoso ya ba ministère d'état, c'est à dire pasio bozo yoka boyao ba bengi Bobenga na numéro plus 243-85-084-65-55. Plus 243-85-084-084-65-55. Waneza numéro nanga moko 24/24 gardien du temple de la démocratie. Ou bien Bobenga sou na plus 243-999-46-51. Na bandeli plus 243-999-46-51. Wana bozwanga moko. Pour terminer, je suis en train de lancer mise en garde sévère na ba lienyo soya IDPS. Tondimi bino comme bande koto bunda. Mais botika kolinga ko combattre pe ko tiela IDPS ba peau de banane na niveau ya ba contre to ya ba province mususu le kaneti ya province ya Bouende. Si vous continuez, je vais dire ça, je vais communiquer, publier ba liste ya ba parti entre guillemets allié. Oyo bazo tiela IDPS ba peau de banane. Oyo bazo jalousé IDPS na leadership nae. Je vais publier ça pe ko pe sango na ba combattant. Boye ba oyo goye la bine. Na niveau ya Bouende, il y a un combattant comme nae Félix Bossé Kota. Mouto a saleli parti permanence a sangisi ba fédération. Oye panzanaki. Mais yo moutou ya IDPS. Po kota IDPS. Avant bosse kota. Ozo linga oye toufeye. Po favorise ba allié. Ozo ye bisaye ke visibilité azo sala ya parti. Ati kango po président de la République. Akoya. Yende ye fape saka ambongo. Involontaire, Félix Bossé Kota. Pourquoi bolingi parti te? Bolingi ka ba poste nan mbongo a parti. Pe ozo bloke ou ba bengi. Descente, ya mouto yo. Azapre, ya ko loue, ko paye ba billet. Po na Seje Augustin Kabuya. Akende, komo na o ezo sa ma na niveau ya Bouende. Ozo bloke yango. Pourquoi kindokina nou? Yangonde Seje Kabuya lobi. Moutou nyon so akose. Conduire bien sa candidature sera retirée. Je dis et je vous remercie. Merci. En marche, action ya osenga démissionnaire. A changé façon na ya osala. Na kotia en marche, malgré. Ba lobingo yaza nango action ya osenga démission na ye. Parce que sans la justice nous ne pouvons rien faire a changer façon na ye. Pona makambo tuninga ya est c'est pire ma sécurité na Rwanda baloba makam na ya sécurité na ba média té o comprend c'est pire ma sécurité ce sont ba beni ba matière à traiter. Je saurai comment contacter commission parlementaire et à défense et sécurité. Merci beaucoup. J'ai dit.